Ensuite, vous allez discuter un petit peu entre vous, sans jouer. 20 secondes. Je réalise des images, à la fois des installations, des dispositifs, des séquences. Voilà, sur différents types de spectacles. Là, c'est sur un opéra, donc. Voilà, donc ici, on est en train de tourner plusieurs séquences, scènes sur fond vert, aussi bien avec des choristes qu'avec les solistes, qu'on va réintégrer un peu dans le décor ensuite, par la suite, vers le fond du décor, et un cyclo vidéo qui va recevoir un signal vidéo pendant le spectacle. Voilà, très bien, super. Voilà, ça c'est bien, ça super. C'est une belle position. Voilà, d'abord il va jouer, mais après si tu as envie, tu as le temps, j'aimerais que tu l'utilises avec moi pour faire des... Là, c'est vrai que sur un projet comme ça, c'est quand même un conte fantastique. La vidéo permet d'avoir des changements d'univers plus facilement qu'une grosse mécanique, une grosse machinerie de décor. Et puis en général, la vidéo, il faut le dire aussi dans le spectacle vivant, est souvent là aussi pour compenser le fait qu'il y a de moins en moins de budget pour les décors.